Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu The Gunk live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hey Gwen. Calice. Quand tu fais ça, on va dire là, genre, tiens, tu vois, j'ai tout nettoyé. La vie revient. Il y a des matériaux, trouver des matériaux. Pourquoi j'arrive pas? Ouais. Je visais pas à bonne place. Ah mais là ils viennent d'arriver sur une nouvelle planète là et son vaisseau. Et là avec les matériaux tu peux évoluer ton personnage, tes habilités, etc. Là, il cherchait cet animal-là. Là. There you are. Ah, te voilà. Hein? On reste ou quoi? Heureusement que je suis pas claustrophobe.
Oh, Strom. Bon, voilà. Peut-être que le Gog n'est pas vraiment vivant, mais qu'il est juste attiré par les êtres vivants. C'est comme s'il y avait eu un déséquilibre, ce n'est qu'une théorie. Mais le Gog pourrait être un genre de déchet éliminé par l'écosystème. Et ça, tu veux dire... Ah, mais tu n'as pas tort, c'est ça le pire. Donc... Il est pas certain. C'est quoi? Ça, c'est une graine. Pas le même grand genre de graine que tu mets dans ta bouche, mais en tout cas. Là, il est parti. C'est rapide, le temps va pas, j'aimerais bien pouvoir t'observer. Ça, c'est des fibres. On a un scanner. J'arrive d'où, moi, là? On est les premiers à avoir trouvé cet endroit. Dès que cette planète a l'air vraiment minable, continue à... Tu n'étais pas têtu comme une mule, tant mieux si une grosse entreprise avait trouvé cet endroit, elle aurait tout rasé. Ouais, on n'est pas du genre à claquer des milliards pour construire des foreuses. Mais si on trouve une source de cette énergie, on pourra remercier notre bonne étoile. Les globules de ce champignon en forme de spirale sont mous et remplis de pulpe et contiennent un alcool naturel et peut être utilisé comme ingrédient. Bon. Oh, si. Il me semble que j'ai déjà vu du jouer au Strom aussi. Et jugé. D'ailleurs, je suis pris. C'est là où que je vais, là. Oh! J'ai pas vu ça. Ouais, lève-toi, toi. J'ai pas fini d'explorer, il y a des choses, je pense, que j'ai besoin. Oh, on a déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Et voilà. Faut bien tout siphonner avant de partir. Et sur le Xbox Game Pass. T'as vu, je pense que Sherlock Holmes c'est à 80% de réduction. De réduction.
Il est marqué bien le mixeur sur la fesse. Ouais, quand j'étais partenaire, j'avais reçu le tout, je l'avais jamais mis. Ah ouais. Imagine mes streams. C'est ridicule comparativement avec ça. Je suis plus la même personne non plus. Blague là. Je vais le lancer là direct, c'est moi le problème. Non, oh colis. Putain. Et voilà. Oups. Ma disque, t'avais l'Xbox Game Pass ou pas? Ah d'accord. Bon. Je savais qu'il y avait quelque chose, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La symbiose est issue d'un fruit phonique et d'une bactérie productrice de cellulose peut être récoltée en toute sécurité. Utilisable pour fabrication d'objets. Bon.
Et voilà. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Bex? Sauver l'animal. Bex. Bon sang. Ouais. C'est un jeu qui dure environ 4-5 heures, 6 heures maximum. Laissez-le toute seule. Et voilà. Rani, je t'avais perdu. Tout va bien? Oui, mais... je pense que cet animal m'a blessé. Je vais voir que cet animal seul est blessé. Tu portes un vétérinaire? Je pense qu'on a mieux à faire, non? Je vais voir les bestioles. Il y a des zoos pour ça. Il y a un zoo! Un zoo! Un zoo, ok, calme-toi. Hello, Duke, je te disais, Last Word Beyond the Page. Il me reste une heure, un peu moins d'une heure à jouer, puis je vais en terminer. Je vais le terminer demain. L'histoire d'une petite fille qui perd sa grand-mère. Là. Elle écrit une histoire en même temps. Tomb Raider. Comment c'est ça? Tu l'as acheté? Et tabarnak, ouais. Et en feu. Oh, tu vas bien. Okay. On dirait Pokémon. Ah, tu m'as dit bonjour, c'est ça? Eh bien, bonjour toi aussi. Allez, sauve-toi. Oh. Oh. C'est quoi ça? Le truc est énorme. Bec, on dirait bien qu'on n'est pas les premières formes de vie intelligentes à venir ici. Il y a des traces d'une autre civilisation. Non. Ouais, des gens ont vécu ici, c'est sûr. Et tu es certain qu'il n'y a plus personne? Je ne suis pas fan des rencontres de troisième type. Il n'y a plus personne, genre... Je t'envoie mes scans. Que l'amour est violent, violent par dedans.
Ah ouais, c'est lui que je chante ça, je me rappelais même plus. J'imagine que t'avais oublié que Garou il est pas français et québécois. Regarde les inscriptions. Bec, tu connais un ancien alphabet extraterrestre? Tout un peu rouillé, j'avoue. Envoie-moi un scan et je vais bosser là-dessus. Même tantôt, ah, fallait que j'aille là aussi, j'ai pas été là. Là. Cette traduction va prendre. À ton avis, comment on ouvre cette porte? On dirait que les mécanismes peuvent s'activer avec une sorte d'impulsion génétique. Énergétique. Extracteur de survie. Yeah. Je devrais pouvoir modifier mon gant. Retour au vaisseau. Une tablette graphée, elle est faite d'un matériau. Je crois que ça serait pas mal près de la statue. Revenir sera plus. Une tablette gravée, elle est faite d'un matériau composé de solides, d'inscriptions et encore lisible. Mais il va falloir du temps pour la traduire. Blablabla, blablabla, blablabla. Débloquer une nouvelle amélioration. Maintenez LT pour voir les objets à proximité que vous pouvez scanner. Ah ouais, je savais même pas ça. Now, what's this fellow's deal? What were you up to? Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ce truc est moins plusieurs centaines d'années. La vache. Les statues comme le reste des ruines semblent avoir été construites il y a plusieurs siècles. En matériaux, composite semble avoir été durci par l'oxydation. On va devoir faire traduire le texte de son socle par ordinateur. Le travail de métallurgie est très avancé. Ils se sont donné du mal pour construire ce truc. C'est impressionnant, ça doit être important, j'imagine. Ah, c'est ça le... On a construit rarement une statue de la gloire parfaite d'un inconnu. Peut-être un héros ou un dictateur. Compte-moi. Bon. Oui, comme c'est l'India. La vache, j'ai la dalle. J'ai passé une excellente journée. Kurt s'est mis de la boue plein les circuits, les fusées vont sauter quand j'ai voulu réparer. J'ai tué environ 1 milliard de ces saletés d'insectes que je ne parle même pas l'humidité qui fait. Une excellente journée vraiment. J'ai un peu traîné, j'ai couru dans tous les sens, comme d'habitude. Mangeons. Pied de poule, mange. C'était tellement bon. Ah oui, mes papilles gustatives soupirent de bonheur. Bravo, Kurt. Oh, demain, je vais essayer de le reprogrammer. Il doit bien y avoir un moyen de lui faire dire autre chose. Dès que le soleil sera levé, j'y retourne, animal que j'ai vu.
Il était si beau et nous avons découvert les ruines d'une ancienne civilisation. Est-ce qu'elle pourra nous apprendre plus sur le signal? J'ai hâte. Tu devrais venir avec moi. On ne part jamais à l'aventure ensemble. Avec des chaussures? Je ne crois pas, non. Des crocs. Peut-être que nous allons devenir célèbres. Je vois déjà les gros titres des journaux. Les pillards découvrent un monde extraterrestre inconnu et deviennent riches. Des milliards essaient d'échapper à leurs créanciers et meurent misérablement sur une planète de merde. Des pillards, plutôt. Mais non, tout ira bien. C'est mon instinct qui me le dit. Alors ton instinct devrait avoir une petite conversation avec le mien. Tu vas passer la nuit assise là? Encore 5 minutes. Comme tu veux. Je vais mettre la viande dans le torchon. Kurt, lumière. À table. Il a fini de manger. Ah non, il n'a pas fini de manger, il n'a pas commencé. Oups. Chapitre 3, la civilisation extraterrestre, améliorer le gant. Non, elle a perdu une moitié de bras dans une autre expédition avant. On n'a pas vu, évidemment, puis c'est ça. Donc. Lance une impulsion plasmée pour activer les machines de cette planète. Ajoute des. C'est ça que je fais? Le canon à pulsation? Peut-être trop de classe. Ah, oh, on l'avait vu sans son bras, j'ai manqué. Oh, je vais regarder là. Oh, on le voit là, ok. Absorbe le gong pour augmenter votre vitesse. Un extracteur d'énergie attaché à votre gant de puissance inverse la puissance absorbée vers vos genouillères hydrauliques. Vous pouvez encaisser plus de coups avant de vous évanouir. Le tissu de votre combinaison est renforcé avec des fibres solides. Ah ça, je peux faire ça. Ça permet d'absorber la gang plus rapidement. L'énergie synthétique améliore plus boost l'aspiration de votre gant. Alors. J'ai plus assez de matériaux pour ça. Ok. Vous pouvez encaisser. Je vais bien veiller sur Beck pendant que je pars à l'exploration, Kurt. À table. Garde la pêche, mon pote. Il est tout mêlé, ce style-là. Rani, attends. Sérieusement, sois prudente. On bourlingue ensemble depuis 5 ans, Beck. Tu n'es pas prêt d'arrêter. Tu m'as bien comprise? Oui, capitaine, bien reçu. Quand tu capatouteras partout dans ces ruines, évite de blesser, d'accord? Je ne suis pas sûr qu'on ait à quoi soigner les tétanos extraterrestres dans l'infirmerie. Le tétanos extraterrestre, mon système immunitaire est invincible. Je suis jamais malade. Donc quand tu avais de la fièvre et le nez qui coulait le mois dernier, ah, ça c'était juste une petite allergie à la poussière, rien peut m'arrêter. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouvrez la porte avec le canon à pulsation. On va aller voir la porte. Faire ça. Il y a peut-être un moyen de sauter de l'autre côté, puis j'ai pas regardé. Ouais. J'ai pas envie de tout faire ça. Crétin.
J'aurais pu sauter juste là, puis ça aurait fait l'affaire. Et je pouvais même monter là. Je vais retourner voir. Bien sûr, j'ai rien oublié. Je peux pas aller là. Éventuellement, je pourrais aller là, mais là, je peux pas. Maintenez LT et appuyez sur B. En plein dans le mille. Dans le frein lui aussi. On trouve le jeu. Ah, c'est tellement stylé. Ceux qui ont construit cet endroit étaient de sacrés bons ingénieurs. Pourquoi ont-ils disparu? Est-ce qu'il y a eu une guerre? Est-ce que c'est notre faute? Enfin, la faute des humains, je veux dire. On serait au courant, tu crois pas? C'est pas tous les jours qu'on croise une autre civilisation aux confins. Une chose est sûre, il adorait les portes. Depuis quand tu baisses les bras avant d'avoir fermé? Je n'ai jamais dit que je l'ouvrais pas. Non, qu'est-ce que j'ai manqué? Ah, il est là. Ça, tu l'aurais jamais trouvé, toi. Qu'est-ce qui se passe? Le gang semble complètement heureux. Amoureux de ce tuyau. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Un tuyau bizarre. Tu ne vas pas faire de bêtises, hein? T'en fais pas, le gang semble juste un peu nerveux avec moi. Et voilà. Oh, j'ai capté un signal. Qu'est-ce qui s'est passé? Poupette vient de nettoyer. Il ne ressemble pas au reste des ruines. Il a l'air en état de marche. Et on vient de capter un nouveau signal. Le gang semble se nourrir d'énergie, non? Il est attiré comme un aimant par ce tuyau. Donc, l'énergie circule dans le tuyau. Vous trouvez maintenant où ce tuyau nous mène. Allez, t'as du boulot. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis?
Bon, j'ai pas vu une graine à cap. Ah, elle est là, la graine. Boum, 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 boum. La chanson au début, j'ai pas perdu beaucoup de temps là parce que je. Il y en avait une flaque de même, puis là, bon, faut que je trouve une graine, puis je savais pas trop, puis là, finalement, j'ai. Ça m'a pris une minute, je l'ai trouvé, j'étais chanceux. Des fois, des affaires de même, tu peux niaiser 30 minutes, puis pour rien. C'est quoi ce truc? Quel truc? Toi, tu le sais déjà. Le comportement naturel de cette microstructure empêche les matières internes de se mélanger. Briser cette structure avec force provoquera une réaction explosive instantanée. Ok, c'est ça que je faisais. J'ai lancé là-dessus, je savais même pas si c'est une structure à briser. Bec, je pense avoir trouvé une source. La source de la rivière polluée. Quel endroit horrible. Le tuyau à travers les falaises pour atteindre l'autre côté du lac. On dirait qu'il y a bien une entrée là-bas. Tu peux traverser? Je ne peux pas venir te chercher avec Bonnie, il y a plus de carburant que pour deux décollages. Il y a d'autres ruines dans le lac, peut-être que... T'en fais pas, je vais trouver une solution. Caribou indien, gros cerveau. Si on arrive à capter d'autres signaux, on pourra trouver la source. Ça marche, cet endroit a besoin de moi et d'un bon clean-up. Un bon nettoyage. Ça sent bon, ça sent... Ça sent le cul à Gwen. T'as rien besoin de suivre l'histoire, toi. Qu'est-ce que tu fais avec le jeu là? Comment ça s'appelle le jeu là? Sherlock Holmes. Tu changes trop souvent de jeu, pourquoi t'en termines pas un avant d'en continuer un autre? Moi, je commence un ou deux. Mais je les joue en même temps. Je les termine. Ils ont vécu ici longtemps et pourtant, il ne reste plus le moindre trace de vie. Comme s'ils avaient fait leur valise et qu'ils étaient partis. Ils sont peut-être partis à cause du gunk. Ça n'a pas l'air simple de vivre avec ce truc partout. Au final, tant mieux pour nous. Peut-être que ça pourrait aider. Ah, ça marchait.
natural bridges. Maybe I can shoot that thing down? Je peux tirer là-dessus, bonne idée. Toi, tu as été très important pour les gens qui vivaient ici, hein? La traduction s'avance. Elle n'est pas finie, mais je crois bien que ça parle de l'énergie. Je ne sais pas comment traduire ça, je crois qu'il appelait ça le Geist. Moi, j'appelle ça un ramassis de crottes de nez. J'ai trouvé un autre statue avec les inscriptions. Peut-être que c'est un passage de l'un de leurs livres, peut-être, mais nous ne sommes pas là pour faire un cours de catéchisme. La statue doit représenter quelque chose de très important, peut-être un dieu, le mot jardin. Jardinier revient souvent dans le texte. Le personnage en du dos a l'air des gros rats. Hey, c'est quoi ça? Je peux pas aller là maintenant. Pas sûr que je peux. Pas sûr que je peux aller là. Ah, je le voyais pas, il est là. La langue à Gwen, ça. Gwen qui répond pas à mes questions. Je vois un mot qui revient très souvent. L'ordinateur suggère jardin en traduction. L'ordi voulait bien se bouger les fesses, j'aimerais bien savoir ce qu'il cache. Eh oui. Là, je vais voir en bas avant. Faut que je lance du haut. À partir du haut, à partir d'ici. Je vois rien. À partir d'ici. Yeah.
Ok. Oh yes. C'est là, faut aller là en bas, je pense que c'est du surplus. Du bonus. Attention, attention, le caribou est là. Alias Dieu. I knew there was something here. T'as pas répondu à ma question. La réception est à nouveau très mauvaise. Il doit avoir du gunk. Bon, on a réussi à traverser. Le signal est revenu, je ne sais pas pourquoi. Toujours pas où ça vient. Mais je pense que ça va plus de l'autre côté de la porte. Bon. Et là, si je les aligne, je devrais pouvoir passer de. Je dois juste trouver un moyen de faire tout tourner les autres morceaux. Caribou, alias Dieu. Dieu qui parle à Gwen, et Gwen qui est dans la lune. On a trouvé un nom, ouais. Et voilà, et de deux. Lucas, et c'est bon. C'est quoi, je pense qu'ils appréciaient la beauté. Je fais de ça, c'est impressionnant, c'est éthique, c'est ruine.
est tellement satisfaisante. Like they were built not just for function. Oh, pas seulement fonctionnel. Et là, je suis revenu au début. Ok, continue. J'ai déjà été par là. Ok, je comprends. Ah, tiens, pas que ça. Qu'est-ce que tu fais, Gwen? Tu devrais pouvoir remonter le tuyau par là. Je peux pas aller par là tout de suite. Oh, j'ai vu quelque chose par ici, tantôt. C'est là qu'il fallait tirer, tantôt. Ça commence à être un peu trop monde ouvert. Passage de montagne nord. Ils maîtrisent la métallurgie et ils érigent des statues. Je pense qu'ils avaient aussi des religions. Je ne sais pas, peut-être. Moi, je me connais surtout en pillage. Évidemment, il y avait du boulot dans les antiques. Nous sommes un archéologue de l'espace. Si ça peut nous rapprocher d'une source de signal d'énergie, je vote pour. Je sais, trouve l'énergie qu'il disait, vous allez devenir riche qu'il disait. Je l'avais eu, putain. Et...
Ah, faut que je revienne sur mes pas. Bec, est-ce que par hasard tu pourrais trouver le nom de ce type? Je pense que c'est un genre de dieu. Je pense pas, ils ont une façon d'écrire très poétique. On dirait un peu un conte de fées en vers. Non, attends, il est encore en train de peaufiner le texte. Ce type devait être vraiment important. Ou alors, on les a forcés à penser ça. Est-ce que c'est que ça, un genre de réunion, un rituel? Peut-être ce type était un fondateur de cette civilisation. On dirait un monument érigé en l'honneur d'un dieu, l'ordinateur n'a pas terminé la traduction. Mais d'après les fragments que nous avons déjà lu, tout ça semble correct. Alors que nous pouvons déjà lire. Tout ça semble connecté au flux d'énergie, le mot est « guys » semble d'ailleurs se traduire par « énergie ». On peut voir que ça a de l'air. Il y a des rhinocéros. Oh. Des humains avec un drôle de casse. Salut les Quid Quiz, Chris. Gwen, elle dort maintenant.
La réception devient vraiment mauvaise. Le gun près des tuyaux a l'air agité, mais on va s'en sortir, t'en fais pas. Je te disais, pourquoi tantôt, quand tu commences un jeu, pourquoi tu le termines pas? Commencer un ou deux et les terminer complètement. En alternance entre deux et trois. Plus tu t'approches de l'autre île, plus ça vient. J'imagine que c'est là qu'on trouvera la réponse à nos questions. J'imagine. Soit qu'il me casse la tête ou soit qu'il. Ouais, ben. J'ai été à bonne place finalement. Allons-y, on y va, voyons voir où ça mène cette petite place de trou de cul là. J'ai hâte. Je me demande comment ils ont pu construire cet endroit. Je vois aucune machine, aucun outil. C'est comme ça les pyramides chez nous, j'ai lu un article là-dessus. Personne ne sait vraiment comment elles ont été construites et. Même avec nos outils. Ben oui, c'est Astérix, c'est Obélix qui l'a fait. J'ai vu ça aussi, cet endroit me fait exactement penser à ça. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose tantôt que j'ai pas trouvé. Peu importe. Je crois qu'il y a un endroit où j'ai pas été tantôt, j'ai vu un trou noir. Mais... Je sais pas c'est où exactement. Et là, c'est là que j'ai été, que j'ai ouvert. De toute façon, j'avais trouvé un autre endroit, puis... Pas par là. Et toi, tu commences à être fatigué? C'est là tantôt que je pouvais y aller puis j'ai pas été. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ça c'est là que j'arrivais ça. Ok. Je comprends.
Alors c'était tout pour l'aventure du jeu The Gunk Live, la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!